Eh bien, salut tout le monde, c'est NitFox. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc, comme le montre le titre, c'est comment installer chou.tv et rchou. Alors, je vais vous montrer ça maintenant. Alors, je vous explique. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de tutos avant de pouvoir y arriver. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent faire comme moi. Capturer son écran de téléphone sans avoir un appareil photo, quoi. Non, vraiment faire comme sur PC, nickel. Voilà. Alors, je sais que sur YouTube, ça rend un truc pas très bien. Ça rend un truc une petite ligne, et puis après, c'est que il y a deux gros côtés noirs. Bon, ça fait vraiment dégueulasse. Il faut vraiment. Bon, c'est déjà pas mal, hein, filmer son téléphone, Samsung ou iPhone. Donc, c'est déjà vraiment énorme. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, déjà, pour avoir chou.tv, donc là, cette application-là. Donc, voilà, il me demande de me connecter. Donc, ça, j'ai pas besoin. Donc, voilà. Alors, Airshow, ça va être un peu compliqué. Vous allez devoir suivre attentivement ce que je vais vous dire. Alors, ça fait vraiment longtemps que je cherche à avoir cette application. Je suis enfin content d'en faire ma première vidéo dessus. Alors, pour commencer, Chou, c'est très simple. Vous allez dans recherche. Si le téléphone veut bien. Soir. Bref, en gros, dans les recherches, vous marquez chou.tv ou à la limite, vous allez dans. Google, pardon, non, pas Google. Vous allez dans Safari et vous marquez. Je vais ouvrir une nouvelle page parce que. Voilà. Donc, chou.tv, vous marquez ça sur Safari. Donc, vous allez tomber. Putain, c'est n'importe quoi. Vous allez tomber ici et vous allez tomber sur ça et. Si votre App Store ne marche pas, évidemment, vous marquez donc là c'est Chou LTD. Donc vous allez appuyer ici tout simplement, ça va vous mettre ouvrir et normalement ça va vous diriger automatiquement vers l'App Store. Mais moi j'ai déjà l'application, je n'en ai pas besoin. Alors pour installer AirChou, c'est très simple. Vous allez sur le site que j'ai mis, donc je vais vous mettre le lien dans la description pour plus de facilité. Entre youtubeurs, on peut se comprendre les liens. Ça arrange tout sa mère. Non, on va se calmer. Donc vous prenez la première ligne. Pardon, la première ligne qu'il y a ici même. Donc vous allez sur Dead Page, je sais pas quoi là. Et vous allez tomber ici. Alors vous allez télécharger. Donc, s'il y aurait eu un virus, évidemment, j'aurais pas téléchargé, j'aurais été largement prévenu par le téléphone. Attention, il y a un virus dans 5 minutes, oulala. Non, il n'y a pas de virus. Donc, vous appuyez sur Update, oula. Install, mais moi, ça sert à rien de l'installer, puisque je l'ai déjà, parce que sinon, je ne serais pas en train de filmer avec. Alors, maintenant, une fois que vous avez AirChou, vous allez dans Réglages. Général et laissez-moi retrouver il faut que je retrouve, ça va prendre pas beaucoup de temps. Attendez, c'était là, non. Où c'était, je sais plus où c'était. Ah voilà. Gestion des appareils, donc il y a synchronisation Wi-Fi, iTunes, VPN et gestion des appareils. Vous allez vous cliquez dessus, donc là, Wiz Technology, tout ça. Et vous cliquez, donc là, à la place où c'est marqué supprimer l'app, vous cliquez dessus, vous faites se fier. Et tout simplement, quand vous avez ce message-là, les apps du développeur, les applications du développeur iPhone Distribution Win sont approuvées. Et le resteront voilà, jusqu'à ce qu'elles soient toutes supprimées. Ok, voilà. Donc, en gros, une fois que c'est fait, vous revenez. Enfin, vous allez. Allez. Vous allez sur Chou. Airchou, pardon. Et voilà. Vous serez en train d'enregistrer votre gameplay. En gros, voilà. Donc, mon petit projet. C'est de faire des vidéos sur Pokémon Go comme pas mal de youtubeurs, mais j'ai pensé que avec
avec comment ça s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire. Bref, si oui, c'est ça. En fait, tu auras qu'une barre. Ah, il y a un Pokémon qui a spawn, mais bon, on va voir ce qu'il vaut. Ah oui, quand même, hein. Ah, le bâtard, il a bougé. Ah, je suis vraiment une grosse merde. Ah ouais, avec carrément. Il va s'enfuir, hein. Je suis une merde. Ah bah quand même. Allez, 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 allez. Donc je sais pas s'il y a le son avec. On va voir. En tout cas, s'il n'y a pas le son, bah c'est pas très grave parce que c'est vraiment casse-couille la musique. Putain, par contre, je vais baisser les écouteurs. Voilà. C'est vraiment casse-couille la musique de Pokémon. Alors, il faut savoir que de base, je suis pas fan de Pokémon. Même, je déteste Pokémon. Mais vu comme c'est vraiment à l'actualité, j'ai pas mal de mes potes qui jouent. Tu vois. Ça fait le genre le mec. Bon, allez, les gars. S'il vous plaît, je peux venir avec vous. T'as pas l'application? Ferme ta gueule, je l'ai. Non. Bon, allez. Donc là, on a un. Nosferapti. Je sais pas ce que c'est. En vrai, je suis là. Ouah, c'est quoi ça? Alors, crochet venin. Vive attaque. Donc. Oh, tu vas te calmer, hein? Donc, si vous voulez mon snap aussi, je vais vous le donner. Je vais vous le give vite fait. Donc, mon snap, voilà, c'est NitFox YT en tout petit. Donc, n'hésitez pas à me demander comme ça, hein. Ça me permettra d'être plus proche de vous et moi plus proche de. Bah voilà. Tout simplement, être plus proche de ma communauté, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors. Juste, on va voir la chaîne de Bugsy Pack vite fait. Il a fait sa première vidéo, ça y est. Je sais pas si on pourra voir. Donc voilà. Je vous invite à aller regarder sa chaîne. Parce que il a fait sa première vidéo. Et il a pas montré sa tête encore. Mais le gars, il a parlé que ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube, qu'il a commencé ce truc. Déjà, ça fait 11 ans. Il a des. Si. Donc là, déjà, tu vois, j'ai un petit doute que ça soit DigiDix. Mais dans tous les cas, il a dit que sa prochaine vidéo sera sur Battlefield et pardon, sur les haters. Donc dans tous les cas, on s'en tire bien. On va quand même avoir du bon contenu enfin sur YouTube. De quoi se distraire. Bon, bah, les amis, en tout cas. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous présenter ce tuto. Si vous n'avez pas compris comment faire pour les réglages, alors c'est très simple. Vous allez dans Général. Vous allez dans Gestion des appareils. Là, et voilà. Tout simple. Vous cliquez sur Wiz Technologie Machin. Vous faites se fier. Et vous aurez plus qu'à enregistrer. Et tout se fera. Alors juste pour chou, je vais voir. Ah oui, voilà. Chou. TV, surtout pas Shoe Recorder, et voilà. Moi, ça me demandera juste de l'ouvrir et basta. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Pourquoi pas, bah, comme je vous ai dit, des épisodes sur Pokémon Go avec des amis. Par contre, il n'y aura pas de facecam, je suis vraiment désolé. Et puis voilà. Bon, allez, moi je te dis. À la prochaine, j'espère que cette vidéo t'a plu, ce tuto. Et en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de t'aider. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, peace.